Et salut à tous, c'est Job. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, Rome 2 Total War, on joue l'Arménie. Alors pour rappel, on était en guerre contre les Sassanides et ils nous attaquaient avec deux grosses armées. Hein. Deux grosses armées, il me semble qu'ils doivent bien être. Ça doit bien être deux armées à 20 unités. C'est une bataille défensive donc que l'on joue dans la ville de Arsakia. On va la mener manuellement, vu qu'en résolution automatique, on se fait défoncer. On se fait totalement défoncer. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que bon, heureusement, on a des unités de piquiers. On peut voir un peu d'éléphants là-bas. Tactique habituelle, on bloque les points d'arrivée. Voilà. Ici, pareil, hein, ça suffira. Ici, on va en mettre deux au cas où. Et ici, on va en mettre deux pareil. Pour bouger en cas de souci. Voilà. Ensuite, les archers perses. Voilà. Au début, peut-être que je les mettrais une partie entière enflammée, une partie entière sifflant. Bah, sûrement du tir enflammé d'ailleurs. Simplement pour les éléphants, hein. Essayer de faire en sorte ce que j'ai pas réussi à faire la dernière fois. En gros, c'est essayer de les faire devenir fous en fait, hors de contrôle. Voilà. Tac, ça on s'en fiche. Ça on va les mettre là. J'espère ne pas les avoir utilisés. Voilà. Ensuite, on va finir par la cavalerie. Une partie ici. En fait, on va tout mettre là. Et mon général, pour donner un petit peu de morale à tout le monde. Voilà, ça devrait être bon. Ici, on est bien. Ok, donc on va commencer la partie. Comme d'hab, on regarde aux alentours d'où est-ce que peuvent venir les unités ennemies. Alors là, on voit que le général, il sera pas en premier. D'où est-ce que viennent les unités ennemies de là-bas. Très bien. Pas de bol. On va les bouger, ça va vite. On va très très vite les bouger. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose, de mettre tout le monde en mode garde. Très très bien, hop. Tir enflammé, on tire de suite. Allez, on tire de suite, plus vite les gars, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Il faut vite les rendre fous. Allez, 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 là. Oh là là, ils vont pas être incontrôlables, quoi. Fait chier. Si, c'est bon, ils sont incontrôlables. C'est bingo. Hop, là, ils devraient s'en débarrasser. Ou alors, sinon, de toute façon, ça fera des dégâts chez eux. Hein. C'est pas très grave. Alors, on fait bien attaquer les unités à distance avec nos unités à distance. Eux, c'est bon, eux. On va pas pouvoir sortir de suite, donc on va les faire sortir ici. On fait bien le tour. Pas d'endroit où je prends trop de dégâts. Ça a l'air correct jusque-là. Ouais, alors ceux-là, bon, ils sont un peu loin. Dommage. Waouh, ils ont vraiment tout ça de portée là? Oh la vache. Bon, on va faire le tour, c'est pas très grave. Voilà, on accélère tout ça. Allez hop. Hop, et lui là, dernier là, tout derrière. Ok, bah si une générale là, il se prend des.
Les cailloux, c'est pas bon. On va reculer le général. Voilà. Ils savent plus où aller. Là, on est bien. On va le faire revenir. Tiens, il manque pas un là. Tiens, ok, moi c'est pas grave. Hop. On va le faire retourner là. Là, on voit que c'est gagné. Hein. Wow, quelle charge, les gars. Une charge 0 sur 20. Hein, allez, on se dépêche là. Allez, on se grouille là, on se grouille un peu là. Voilà, et là on recharge, allez. Mais non mais... Putain, ils sont vraiment en train de tirer là derrière, mais ils sont en train de se tirer dessus, c'est cool. En train de tirer sur ma cavalerie. Voilà, oh là, oh là, eh oh. Putain, mais ils vont vite ces cons, hein. Wow. Bon. On charge, on n'a pas le choix. Fait chier, on va se prendre une rafale derrière, c'est pas cool. Archiclus de confiance, c'est pas pourquoi, c'est pas comment, mais c'est pas. Ah non mais d'accord, ils ont arrêté de. Ouais mais ok, eux ils ont réussi à s'en dépatouiller, si je puis dire. Ok, là on est comme ça. Hop. Bon, général, on va faire un petit tour là, par là-bas. Ici c'est bientôt gagné, là on est bien. Eux ils galèrent comme pas possible. Eux, on va les faire charger les mercenaires ici. Ou alors on fait semblant de les charger. Ah merde, il y a fort trait d'immortel là. Allez, mais cours un coup quoi, les gars, je sais pas. Alors on fait faire le tour bien proprement. Allez, c'est là qu'il faut taper, les gars, allez. Hop, allez, on se dépêche, on se dépêche. On se grouille, les gars. Ici, on est comment? Et putain, ils ont toujours pas réussi à s'en débarrasser, sérieusement. Bon, eux, on va les faire avancer, parce que là, on voit que c'est un cran un peu du boudin. Alors, où ils tirent? C'est le bon coin. Bon, lui, il sera jamais capable de tirer, hop. Allez, on se grouille. 1, 2, 3, 4, on est bien. S'il tire ailleurs, là, il faut absolument qu'il meure. Ça fait très mal. Voilà, on est bien jusque là. Ouais, il faut charger, là, il faut charger. Il faut absolument faire tomber les unités, là, à distance. Ok, lancier perse, pareil, même tarif. Ok, là on est bien, pas trop mal, là, on fait vraiment de la perte. Allez, un coup de présence, hein, ça va faire recharger tout le monde très rapidement, ça va être très efficace. Voilà, bon, ce serait bien par contre s'il pouvait tirer là comme ça, hein, ce serait un peu plus équilibré. Allez. Là je leur ai dit de reculer tout à l'heure, ils veulent pas. Voilà, ils devraient finir par y arriver un jour quand même à partir. Voilà, là on est pas trop mal. Là ça essaie de décaler mais bon bah ils m'ont cul, hein, j'ai envie de dire. C'est bon. Voilà, là on est bien, là on est bien. Là on continue, allez, d'attaquer. Ah, les archers kurdes. On les ramène au cas où. Bon, ça met du temps, mais bon. Ils arrivent pas. Ils arrivent pas. Ils ont plus de munitions. Merde. Bon, s'ils y arrivent pas, on envoie les autres. Ouais, effectivement, ils sont plus que 3 à avoir de la munition. Là, ça a de la munition, ça a bien tiré quand même.
Il n'y en a qu'un seul. Purée, ils sont lents. Voilà, là, ça abandonne. On est bien. On va leur faire stopper le feu à volonté parce que c'est des grosses looses. C'est des merdes. Hop, voilà, ici ça va fuir. Ça fuit, très bien. Donc, mon général, tu vas aller là. Voilà, donc là on va à la chasse aux unités, aux ennemis. Ok. J'envoie la balle qui fuit. Allez hop. Peut-être pas les 11 là, il y en a 121, ce sera mieux. Voilà, donc on fait tout ça en accéléré. On a gagné cette bataille. On a presque perdu une unité de piquet, ça c'est chiant. Là, ils ça fait 20 ans qu'ils sont en train de courir derrière des lanciers, ils n'y arrivent pas. Oh là, du people là-bas. Oh là là, oh, c'est quoi de ce fuyard là? Faut pas les laisser en vie. Hein. Ah ouais, surtout de l'infanterie immortelle. Hein. Ah, hors de question. Pas où est-ce qu'il va lui? Ah, d'accord. Lancier même tarif. Hein. On en tue autant qu'on peut. Voilà. Et on peut quitter la bataille. Victoire héroïque. On a perdu quand même presque 500 unités. Et pas parmi la garnison cette fois, c'est dommage. Mais bon, c'est une belle bataille en soi. Parfait. Alors, on relâche pas, on exécute. Alors, on joue pas les Spartes, on n'a pas ce bonus avec les esclaves qu'on avait donc lors de la partie d'avant. Donc, on fait attention, on fait forcément très attention. Hop, votre domination. Il me semble qu'on est plutôt pas mal au niveau de l'ordre public. Bon, bah, à part de là, vu que ça vient de se déclarer, forcément. Et encore. On va avancer petit à petit. Quoi qu'on vient de faire un. On vient de faire un petit carnage, donc à mon avis, ils ne doivent plus avoir beaucoup d'unités. Donc hop, on va en profiter pour vraiment y aller assez rapidement ici. Tireurs sont égal, hein. C'est vraiment pas mal. Allez hop. Et on va profiter pour. Voilà, j'allais dire essayer d'en tuer un max. Mais bon, là ça fait quand même beaucoup, alors je vais juste voir et si c'est trop, je reculerai. Ouais, d'accord. Forcément. C'est pas grave. Alors lui, on va pouvoir. Administrateur économique. Ordre public par là ou alors plus de zèle, moins de corruption. C'est quoi ça? C'est culturel. Ouais. Ah. On va partir sur administrateur économique. Allez. Je pense que ça c'est pas mieux. Ouais. Ok.
Ici, on peut faire donc les tombes royales, on va le faire. Et un champ de lutte. Là, on a cette. Putain, ils nous avaient bouffé les. Ouais, je m'en souviens. Là. Putain, ça me fait mal rien que d'y penser, quoi. On fera un hôtel ici. Et ici, on fera un champ sur. Ouais. Ouais, ça pousse bien dans le désert. on a fini pour ce tour, je pense, hein. C'était pas mal. Là, faudra penser à recruter de la cavalerie. De reconstitution d'unité et plus 10% de déplacement de carte. Waouh, ouais, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Les yeux du roi, hop, toi, essaie de t'assassiner. 40%. Bon, ça va. Il est pas mort, mais c'est toujours mieux que rien. Entrée anonyme. D'accord. Là, on avait dit un hôtel. Et ici, on avait dit un champ. Voilà, sanctuaire royal de ce côté, là on verra plus tard. Ah, j'ai plus d'argent. Merde. Oh là, ils sont pas très forts. Bon, ils ont de la charge, mais. Ouais, ils ont une sacrée charge. Bon. À part de la charge, ils ont rien du tout par contre. Voilà, alors eux, on va les faire avancer. Toujours tranquillement, tranquillement, on a le temps. Est-ce qu'on a quelque chose à faire à ce niveau-là? Non, non, y a rien. Hop, c'est bon. On va passer le tour. Ennemis ici, une armée. Purification des eaux, plus 10% de taux de recherche, plus 4 d'ordre public. Ah ouais, ça déconne, zéro. Ouais, on sait petit à petit. Ah bah là, on peut pas y accéder là. Tiens, ah, c'est une montagne, d'accord. On va envoyer cette armée là. Là, on va continuer à avancer. On va bloquer vraiment ce passage. On va pas encore pas se prendre la ville, hein, du fait que sinon ils pourront faire et partir là-bas. Et ça, j'aime pas. C'est chiant. C'est très chiant. Et là, on voit en plus ils perdent des unités. Ils sont morts de faim, etc. C'est pas plus mal en attendant. Ok, là il n'y a rien à faire, là il y a un petit camp de lutte. Bon, là il y a déjà plus d'argent. Hein. C'est un peu compliqué niveau finance, hein, là en ce moment. Est-ce que je peux faire du commerce avec quelqu'un peut-être? Non, même pas. C'est pas grave. Eh ben, on va passer notre tour et le prochain tour on va prendre Suse. Traité de paix, nous propose. Rien ne s'attrape, ils veulent pas. Et bon, on refuse. En même temps, on vient de leur mettre une piquette là. À 40 contre 20. Enfin, 1 contre 2, quoi. C'est. On continue, pas besoin. Bon, classique, au classique, espion. Ah, grand canot. Oh oui, ça c'est bien. Oh, ça c'est parfait. Hop, donc on va prendre Suse.
qu'on occupe totalement pacifiquement. Imperium. Ah. On va avoir le premier malus avec. Comment ça s'appelle? À cause de l'expansionniste. L'expansionnisme. Ok, lui on va le mettre en. En embuscade. On verra plus tard. Pour la cavalerie. Si, fait chier. On verra. Alors dans un premier temps, on va développer ça. Oh, il y a de la construction à faire. Ouh là là. Alors, je cherchais s'il n'y avait pas moyen d'avoir le. Alors il y a un peu un truc spécial. Bon ça on va le. C'est bon, ça on va. Putain. En gros c'est il y a un édit, c'est diminuer le coût de construction, voilà. Et là il n'y est pas. Bon c'est pas très très grave. Là, par contre on a énormément de fer, moi c'est. Augmenter le taux d'imposition. Enfin, un peu comme là d'ailleurs. Voilà. Mon espion ici. On va voir ce qu'il y a à Persepolis. Que dalle. On va aller assassiner là les deux champions qui sont là. Au moins on va essayer. Ah ! Du monde ici. Ici, je viens de le mettre, non? Oui, c'est ça. Et on va passer le tour. Là. Atamaïta. Gardien de la loi, hein, toujours moins de banditisme. On peut voir, hein, niveau province et banditisme, je dois être correct, hein, ici, 0. Ici, pff, tranquille. 0. Un pouya. Autant qu'un pouya. Ah, il y en a beaucoup, lui. Ah, ici, il y en a beaucoup. C'est. Oh, il y a du bandisme de ouf là. Ouais, ici aussi. Ça vaudra le coup peut-être de faire du coup un poste de messager, je crois. Ouais, un truc comme ça. Voilà, pour bien baisser là. Le banditisme dans toute la province. Et on devrait être pas mal. Voilà, toujours les Sassanides, hein, faire chier leur monde. Ah, ok, bon, il y en a qui a bien up, hein. C'est pas dégueu, hein. Alors, on reprend depuis le début. Ici, on doit être bien à ce niveau-là. Là, c'est pas trop mal. On a des banditismes, mais là, déjà, banditisme, on est pas mal. Condor commercial, et hop, ça va finir comme ça. Ici, on est ok. Là, on veut pas de suite. J'ai une public, on est comment? Ouais. On en fera ici. Hein. Ok. Alors là, on peut avancer. Alors, soit en direction de Persepolis, soit en direction de Gore. On a vu, je vais partir en direction de Gore. Parce que le passage pour Gorgan Ardashir est plus petit. Ah! Parfait. Résolution auto. Agressive, on lui dira merci d'être passé, c'était gentil. Mais lui fait le choix de passer par là, donc hop, un tour de bataille victorieuse pour les disciples de Chapour, c'est vraiment pas mal. Hop, et gardien de la paix, comme ça, toujours moins de banditisme. Ensuite, on avait dit, ah oui, allez assassiner quelques agents, bah j'ai plus d'argent.
Donc ce tour-là, on va le mettre en contre-espionnage. Il peut pas faire grand-chose, hein. Il me semble que... Ah, Suze. Un comptoir commercial ici. Oh, oh, oh. Ah non, c'est juste à porte la garnison. Oh, dommage. Oh, j'aurais bien recruté quelques catafractaires là. Eh hey, mais. Oh, oh, oh. Ah bah voilà. Voilà, écoutez, on va recruter que des catafractaires. Orientaux aussi. on va pas se faire prier, les gars. On a l'argent. On est plutôt correct, hein. Voilà, lui il est presque niveau maximum, voire niveau maximum ici. Asie, Galatia, et Cappadocia. Faudrait être allié avec Palmyre ou alors simplement lui déclarer la guerre. Au choix. À mon avis, ce sera le deuxième choix, mais une fois que j'aurai bien tout envahi là-bas. Pourquoi me direz-vous? C'est un allié pour l'instant fidèle, ben, parce qu'il y a beaucoup de terres à elle qu'il faut que je prenne et ça va mettre 20 ans à dire oui mais non mais je veux pas te donner un chien, terrain, gnagnagna, donc ferme là et puis basta. Hop, ça on dissout. Et là on va se mettre bien les gars, voilà là. Oh, on va alors que soit cavalerie orientale, soit... Non, catafractaire, elle est juste pour la puissance de charge, c'est pas forcément le meilleur choix partout mais là... Ouais, allez. Ça, bah du coup, ça regarde par contre. Alors là. Hop, hors de public. Là, il se passe quoi là? Je sais pas ce qu'ils vont essayer de faire ici. Ils sont désespérés. Hop. Eh ben, il a fait de la merde, hein. Il s'est fait défoncer. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est tout, hein. Dans ce cas-là, on fera un sanctuaire royal. On va passer le tour. De toute façon, on a de la construction à faire. On n'est pas très très pressé. Hein. Ça y est, ils passent leur tour ou comment ça se passe? C'est chiant là. On a un deuxième, c'est ça? Chasseur de rats, ouais, alors l'alliance entre les Goths et Rome a été rompue, oui, bon, comme d'hab, excellent. Ah ouais? Ah oui, mais ils sont là. Ah oui, mais c'est parce que là c'est le bordel là-bas. C'est pas très grave tout ça. Lui, oula, hé, hey, oh. Pas assassiné, ça, c'est chiant. Eux ils m'en ont piqué un, c'est ça, non? Oui, voilà, comme d'hab, c'est pas grave. On va aller l'assassiner très vite, lui, hein. Je sais pas si... Niveau agent... J'en ai un qui est bien... Oui. Alors, est-ce que j'ai un endroit où je peux recruter un... champion? Ouais, là, parfait. Voilà. Et lui, hop, on va mettre en mode pyromanie. Bon, il n'y a pas grand chose par contre à lui mettre ici. C'est pas très très grave. Hop, on va s'avancer. On va faire en sorte qu'il vienne attaquer en embuscade. Voilà. Moteur itinérant. On en profite pour développer des petites provinces. Là on est tranquille. Hein. Tout bien. Là on a toujours assez de piquets. Hein. On s'en est fait piquer un. Sans vouloir faire de jeu de mots. Et là le champion va l'emmener faire des. Un peu de pyromanie sur Persepolis. On va s'entraîner un peu. Il va faire tomber des allumettes. Là tu me dis, oui mais les allumettes ça peut être un... Oui je sais, merci. Hein. On va se faire tomber un briquet. Oui mais les briquets, ouais, non, ouais, ça sera inventé un peu avant quand même. Les allumettes c'est plus récent.
Alliance militaire, avec grand plaisir, écoute. Surtout pour 100. Ok, on a vu hein, quand... Ah oui, acte de pyromanie sur... ouais, le bonheur, hein, tu sais quoi. Hop, voilà, il va faire son petit bonhomme de cheveux. Ah, il va vraiment s'arrêter là. Voilà, lui il est re de tour en vie. Putain. Il y en avait pas un là par hasard. Ah non, mais il s'est fait goumer tout seul. Assassinat. Bon, il est blessé, c'est toujours ça. Ça durera moins long sur ce tour. C'est tout. Hop, voilà, ça c'est fait. Lui ne nous a jamais embêté en vrai, mais ça casse. Il me casse pas les couilles, j'ai envie de dire. Si me permettez. Heureusement, purée, ça dure longtemps. Résolution en tout. Ouais, parce que 10 tours, les gars, pas le temps. Hop. Ouais, c'est la cavalerie mercenaire qui prend, ça passe. Je peux recruter quoi là? Rien d'intéressant, hop, tac, là, tac, ici, oh. Moi, je vais garder les sonagres, là. C'est pas que ça m'intéresse spécialement en ce moment, mais... Tant qu'à faire, hop, et là, on va essayer de prendre Persepolis. Parfait, ça passe. On récupère énormément de villes. Il a perdu encore pas mal de territoire. Bon, bon point pour lui, c'était des zones qui... Alors à part là, qui consommaient de la bouffe. Bon. Ici on a ça, ici on a ça, ok très bien. Et bah du coup on va aller à BAM. Voilà, sabotage comme un truc de pyromanie. Tiens, on est bon, vas-y, on va faire ça. Ah, on a plus d'argent. Ici, on a passé pour faire ce que je veux. Et là-bas, la célébrité, c'est chiant. On va faire des champs quand même. Histoire d'être non positif au niveau nourriture. Hop, gardien de la paix. Ça c'est plutôt équilibré. Ça fuit, je sais pas où c'est parti, mais. Ok, très bien tout ça. Hop, lui on va le faire venir là. Hop, et lui on fera aller à BAM. Combien de tours? 3, 5! Oh putain, c'est pas très rapide. Ah, y'a personne ici. Ah bah non. Bah écoutez, on va prendre Hécatombe Pilet. Voilà, général, il monte de niveau, c'est juste parfait. Hein. Et Sodracta. Voilà. On va pas chercher plus loin. Non, ça on va retirer. Ça on retire également. Ça. Ouais, on va faire une zone culturelle ici, allez. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? BAM, Susia et Nissa. Une fois qu'on a ça, là, on a toute la Bactrie. On a ça casse. C'est tranquille, ça casse. Hop, tiens, je crois que je peux monter. Ça, c'est parfait. Et on va refaire un petit tour des provinces. Voilà. On va faire un puits. Hop, et un centre-ville. Ici, on va refaire un puits.
Voilà, là je peux faire ce que je veux. Lui, bah, il va se rapprocher, hein. Voilà. Hop, termine tour. Avant, ah bon, les deux up à faire. Tiel. Parfait, mortel. On s'en fiche. Celui, il a up, c'est juste parfait. Putain, administration économique, ouais, vache. On peut lui donner de la rue si je veux. C'est pas très très problématique. Ah oui, et là on fait améliorer un peu les chevaux. De ce côté-là, tout rien. Moins 2, bon, c'est pas très grave.